Tu veux le vouf Sans vite. Ah bah écoutez, clipez-moi le passage et je le mets. Coucou Cerise, tu vas bien? Oh, très bonne année à toi aussi, plein d'énormes bisous. J'espère que tu vas bien. Alors, je vais peut-être vous remonter le son un tout petit peu. Ouais. Une ch'touille. Voilà. Vous me direz hein, plus tard si jamais c'est pas bon. Pour le son du jeu. Alors, papapap. Ouh là là! Il faut. Très sensible. Ta 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 ta. Tiet. Peut-être passer en 60. Si ça explose pas. Edge is bright. J'aime bien quand c'est un poil plus clair parce que sinon je vois que dalle. Ouais, on va pas trop abuser comme ça. Show way. Non. Ouais, je vais laisser comme ça serait très bien. Est-ce que le jeu est en français? Déjà. Déjà. Alors, attendez. Oui, j'ai eu très peur pendant 2 secondes. Ok. Tac. Et ben voilà. Regardez déjà ce magnifique menu qui est tout beau. C'est quoi un backseat? Un backseat, c'est quand tu. Toi, tu sais en fait déjà ce qu'il faut faire dans le jeu et tu dis en fait au streamer ce qu'il faut faire. Et du coup, bah, ça lui gâche un peu la surprise. Et c'est. En quelque sorte, c'est un peu du spoil, tu vois. Hop, voilà, c'est bon du tout. Pour le son, je vous demanderai plus tard parce que pour le moment, il n'y en a pas. Écoutez. J'allais devoir prendre ça de mon bar pour t'envoyer sur la TV, le jeu a l'air beau. Sur tel, on voit pas grand-chose. Après, j'ai pas lancé encore, mais. Mais mets-moi sur la télé en plein écran, vas-y. Vas-y. Je rigole. Je pourrais faire vlou vlou vlou. Allez, on est parti. Les petits moignons pour The Medium, du coup. Nouveau jeu d'horreur thriller. Me semble-t-il. C'est parti. Je ne sais rien du tout. Je ne veux rien savoir. Le jeu, tu spoil pas. Vlou sur grand écran. C'est ça. N'hésitez pas à me dire pour le son si jamais vous entendez pas assez, que je vous l'augmente un petit peu. Et j'ai toujours pas remis les subs et tout en bas, il faut que je le fasse pour demain. Ah. Coucou Némé, ah oh, merci, tu vas bien. Vous n'avez point vu le message sur la manette? Non. Pas vu. Non, j'ai pas vu. La manette est conseillée et le casque. Ah ok. Eh ben s'il faut jouer à la manette, il n'y a point souci. It all starts with a dead girl. On écoute. Ah, c'est fort! Oh, pardon. Le son est bon pour vous? Ok. Pour moi, c'était très fort. Là, je baisse un peu. Le jeu a l'air très très beau. C'est le seul truc que j'ai vu. Il n'y a pas de version. Bah, je crois pas, j'ai mis français, j'ai pas vu les trucs pour les voix, mais je regarderai après si vous voulez. Pas dans l'audio? Ok. Donc c'est voix anglaise de toute manière. Ok, ça marche. Déjà, on a des sous-titres, on va pas se plaindre. Hein. Ça commence bien! J'ai fait un bond quand t'as crié, pardon. T'as son l'œil. Un bon thé. Ever since I was little, I've had this dream. Elle a un beau blouson déjà. J'aime beaucoup son blouson. It's the end of summer. Girl is running through the Eh, on woods. a les mêmes coupes de cheveux, non? Move. Un peu, hein? Scent of Ah, vite fait. And then the gunshot.
On va avoir des belles musiques. Pas du tout. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. A part of me I could never fully understand. C'est pas bien de fumer, madame. That wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Su quoi? Est-ce que je peux avoir un peu de thé aussi? Le Kovacatchu, tu vas bien? It was the hardest day of my life. Je vous en reparlerai dimanche, Rudy. Promis. The day I went home to say goodbye to my father. Ça, c'est très très beau quand même. Hein. Les paysages sont vraiment cool. Ah, donc elle a perdu son papa. Coucou Rick, tu vas bien? Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Bon, ça commence un petit peu tristoun, hein. Les reflets de l'eau. Ready. Ah! I just had to find his special tie clip. Ah, je suis en jeu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je suis en jeu. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Le jeu est vraiment propre, hein. C'est vraiment joli. Il faut que je trouve une pince, c'est ça? C'est quoi? Ok, c'est un espèce d'agenda. Alors, attendez. Ça, d'accord. Ça. Clé du funérarium. Dites adieu à Jack. Trouvez la pince à cravate. Ok. C'est une pince à cravate que je dois trouver. Poup, pouloup. Le chat. Screamer chat. Putain, c'est grand et tout. Putain, j'ai presque l'impression de jouer à... Right. The tie clip. Ah. Pull yourself together, Marianne. On s'appelle Marianne. Ça me fait penser à la série là, d'horreur sur Netflix. 1984. Interesting. Intéressant. Très perturbant le... Le dessin. Est-ce que c'est un bouquin qui existe? Petite baignoire. Caressant le chat immédiatement. C'est une très bonne proposition. Je vais m'empresser d'aller le faire. Je peux mettre les clés dans la gamelle du chat. Bizarrement, ça ne marche pas. Looks nourishing. Ça a l'air nourrissant. C'est pour le chat. Ok. Je peux donner à manger au chat. Oui. Oui. Comment? Oui. 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 Oui, c'est 1984 de... Géroge. Géroge ou Georges? Oh, c'est une chambre... C'est une chambre rouge? I believe it's all still here. Une chambre noire, qu'est-ce que je dis? Chambre rouge. Ah, c'est tellement stylé. J'aime tellement ces pièces. J'aime tellement... Oh là là, ça sent l'énigme. Bonjour, ça sent l'énigme. Je vais pas faire ça maintenant. Encore Georges. Coucou Lilian, tu vas bien? Merci beaucoup, Mokachu. Vous êtes trop chou, merci beaucoup. Symbolique funeral of the ceramine. C'est dommage qu'ils aient pas traduit ça, par contre. Ok. Il y a des pommes. Chambre rouge, n'importe quoi. Techniquement, elle est rouge. Oui, mais bon, c'est la chambre noire. Mais à chaque fois, du coup, je me fais avoir... Là, il y a quoi? Il y a rien. Georges s'écrit avec un E. Bah oui, je sais. Chat? Jack's room. Oh,
It's like he never... Chat! Caresse le chat! Caresse! Il n'y a même pas une action pour caresser le chat! Pourquoi? Mais non, on peut pas le caresser, quoi! Oh là là! Nimp! Ouh là là, attendez! Est-ce que ça ramerait pas un peu? Ça lag à mort? Ah bah oui, oui, oui! Ah, attendez, attendez, attendez! Ouh là là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça laguait pas tout à l'heure? Le chat fait laguer le jeu. Ah, attendez. Paramètres, bougez pas, hein, ça lag, je suis en train d'essayer de régler ça. Parce que si je repasse en 30 images par seconde, ça va mieux. Ah ouais, ça a l'air d'aller mieux, bon. C'est beau, c'est réglé. Attendez, hop. Je vais juste lancer ça. Est-ce qu'on est bon? On est bon, c'est bon. Il règle. Bah ouais, c'est bizarre, il y avait pas de problème tout à l'heure. Bon, c'est pas... I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling Jack, c'était mon papa, c'est ça, hein. Ouais, c'est tout bon. Coucou le petit babou. C'est bon, ça lag plus. Non mais... Oh mais regardez, il est trop pipou. Il est trop pipou. Putain. Le chat trop bien animé en plus. Je peux pas le caresser, mais c'est un scandale. Jack, humble, man. Jack était humble et religieux. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. Non. It felt good to be useful. Attendez, attendez, attendez. Vous savez ce qu'on peut faire? Who do you think's gonna feed you now? Il vient de me cracher dessus. Il vient de me cracher dessus. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez pourquoi il me crache dessus? Parce qu'on lui a pas donné à manger. Et il a bien raison. On va aller lui donner à manger. Merde, c'est pas là. Attendez. Ah. Mais mince, je regarde le chat en même temps alors forcément. Ça marche pas. Hop. Nourriture pour chat. Régale-toi, machin. Glad to see you're still kicking around. Bon, faut pas le caresser. Mais au moins on l'a nourri. C'est déjà ça. T'as quelle tristesse quand il nous a craché dessus. Et ça, c'est mon ancienne chambre, c'est ça? Oh, c'est trop beau! Weird to be back in my old room. So many memories. Ma chambre qui est deux fois plus grande, enfin son ancienne chambre qui est deux fois plus grande que celle de son papa. Ok. Yeah. I used to have a thing for him. Ah bah oui, je vois ça. Des pipaillons. I guess they just used to make. C'était le même chat? Oui, oui. Jack knew it well. Il était peut-être plus dans l'ombre. So many of them here. Mais c'était le même chat. Ah. Merci beaucoup, Nana! Putain, j'ai encore mon truc voilà. Kids from the orphanage. Les enfants de l'orphelinat. Not all of them had my luck. That's why ah, on a été adoptés! C'est peut-être pour ça qu'elle l'appelle Jack. Take care of them. To listen. That was the least I could do. Enfin, je crois, hein. Bon appétit, Dan! I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Médaille pour mes exploits. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. Elle avait des problèmes à l'école. I kind of feel bad for making him go through all that. Ah mais attends. Ah mais oh là, je suis con. Tout va bien. Tout va bien. Cher monsieur Orcan, nous devons
nous devons vous demander d'assister à la prochaine réunion parents-enseignants car nous allons évoquer avec vous les événements qui ont eu lieu jeudi dernier. Pour faire court, Marianne a transmis à un élève un message de sa grand-mère récemment défunte. Nous sommes conscients que Marianne cherche à consoler son camarade, mais vous comprendrez bien que ce comportement est pour le moins inapproprié. Étant donné qu'il ne s'agit pas du premier problème comportemental dont nous vous avons informé, nous estimons qu'il est grand temps d'organiser un rendez-vous pour envisager l'avenir de Marianne dans notre école. Et oui, rappelez-vous que le jeu s'appelle... My oldest family heirloom. As a kid, couleur thermique. I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, "Pretty sick, huh?" I was such a dork. Elle a été admise aux urgences à 3 ans. Il s'est passé quoi? Mais j'ai toujours pas trouvé de pince, hein. Mais ça doit être forcément dans la chambre du padré. La pauvre choupinette. Ouais, brûlée à 3 ans, ouais, c'est un peu chaud, ouais. C'est forcément là. Ah! Boop! Come on, Jack, where'd you put it? Oh non! Ok. Let's do this the other way. LB pour activer la vision. Je peux voir à travers les objets. Mon dieu. Incroyable. Ok, je pense que c'est ça. Jack est waiting downstairs. Jack. Time to say goodbye. Ah oui. Jack attend en bas, je t'en vais. Mais attends, Jack, il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Coucou Mani, tu vas bien? Coucou Justine. Non, j'arrête pas d'aller dans les murs parce que j'essaye de lire le chat en même temps, donc forcément. Ça marche pas. Hop. T'es coupé les cheveux, c'est une perruque. Devine. Non, je me suis coupé les cheveux. Cette fois, il n'y a plus de retour arrière. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, ta lumière est vraiment belle, hein. Le gameplay est pas trop rigide? Non, ça va. Pour le moment, ça va. Merci, Mali. Ah oui, c'est là où on a fumé tout à l'heure. Je sais pas si j'ai une touche pour courir. Ah non, ça c'est la vision. Non, j'ai pas l'impression que je puisse courir pour le moment. Ce sera peut-être pas un jeu avec beaucoup d'action. Hein. Enfin, je sais pas. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. The last goodbye. Okay. Tu fais pas la chambre noire? Je pouvais vraiment faire un truc? Ah, je pensais que c'était peut-être pour plus tard ou. Attendez, j'y retourne. Merde. Ah oui, je loupe peut-être des commentaires, mais j'essaie de jouer en même temps, sans me prendre tous les murs. C'est compliqué. Je sais pas. Non, mais t'as raison, je vais aller voir. Je vais aller voir vite fait. C'est vrai que du coup, on n'a rien fait, on pouvait peut-être faire quelque chose direct, en fait. Poulou. Bah je peux plus y aller. Voilà, bon bah ça c'est fait. Bon, j'ai peut-être déjà loupé quelque chose. Ouais, mais vu qu'elle me disait cherche une cravate, je me suis dit je vais pas développer les photos, tu vois. Enfin une pince de cravate. Puis, c'est pas le moment, tu veux développer des photos. Oh là là. Non. Flou. Zut. Coucou Evo, tu vas bien? Hop. Début jeu manquera un peu de rythme, ok. Pouit. Ah mais j'ai... Retour. Regardez, oui, un, oui, un. Ah, la clé.
porte. Jack's in the prep room. Jack est dans la salle de préparation. Préparer Jack pour son dernier voyage. Oh. Oh non. Mais ça commence déjà triste, bordel. Oh bordel. C'est quoi ça? Mais il y a un truc là. Putain, l'arbre est vraiment stylé. Hein. Très joli. Les petits screens. Qu'est-ce que t'as fait, Luna? clé de la salle de préparation. Ok. Il y a un petit truc ici. Registre funèbre. Adam Nowak. Masculin. Accident de voiture. Bah, c'est pas celui-là, alors. Il y a un petit mot de Marianne, je peux pas le lire. Donc ça, c'était Jack. Ah, vous allez déjà me faire des montages, mon dieu. Qu'est-ce que vous allez faire comme bêtise encore? Salle de préparation, je pense que c'est là. J'avais pas vu les cheveux de Nao. Bah alors, pourtant, ça se voit, hein. Ça, je dis rien, mais bon. En même temps, j'ai mis tellement de perruques ces derniers temps que c'est vrai que ça porte à confusion. Jack est parti rejoindre le backpack. Ah non, on va le voir mort et tout. Là, vous va me tuer. Non, mais allez-y, hein, de toute façon. Est-ce que j'ai vraiment le pouvoir de vous en empêcher? Pas vraiment. Putain, j'ai un petit cheveu, par contre, qui m'emmerde. C'est bon. Hop. Pour parler, ouais. Not sure if I'm ready for this. Je suis pas sûre d'être prête. Ah, c'est bien, elle ouvre vraiment la bouche quand elle parle. Enfin, tu me diras, ça aurait pu être sa pensée, mais... Hey, Jack! Oui? Lâche-le! Lâche-le! C'est bien. Gentil. Pince à cravate. Pince à cravate? Bah. I got your special clip. Ah mais oui, il n'y a pas de cravate. Bah... Bah oui, il n'y a pas la cravate... Ah, bah... ah, mais elle est là. N'importe quoi. Hop. Ok. Associer... Ah, je peux l'associer. Ok. Et bah voilà, parfait. Snazzy. You wouldn't have it any other way. Hop. Hop. Et la petite cravate. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. Coucou Rex. When things get personal, it just burns you from the inside. Tapez dedans. Out. There. Onita. I guess you're ready. C'est tellement pas le moment. Terrible. Annie, Jack. Au revoir, Jack. Au revoir. Ah, coucou à Red, merci pour ton raid. Tu vas bien? Oh putain, la manette qui a vibré. People read. The sign says closed. C'est peut-être pas quelqu'un de vivant qui vient d'arriver. Le son, vous m'avez dit que c'était tout bon. Hein. Pas trop fort. Hein.
Allez voir en haut. En haut ? Allons-y. Mais il y a un truc là, Non ? Si, hein ? Oui. Oui. J'ai eu un doute, mais oui. Oui, il y avait quelque chose, ouais. Si vous avez peur des fantômes, je crois qu'on est en plein dedans, là. Oh, merci beaucoup, Evo, pour ton riff. Je te fais plein de bisous, merci beaucoup. C'est l'heure de l'accouchement, ça fait 9 mois d'abonnement. Ah, propose Michael. Non, Michel. Pardon. Allez, vas-y, go pour Michel. Ouh là là. What the hell, comme tu dis. Comme dirait un certain Henri aussi. Toi aussi. À qui elle parle ? And then it happened, as it did so many times. À qui elle parle ? Just when I thought my day couldn't get any worse. What ? Where is that darn notebook ? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne ? Marianne. Are you crying, my child? What's his face? I know, I'm masked, dégueulasse. It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Alors, est-ce que la partie de droite, c'est notre partie médium qui peut voir les trucs bizarres? Je pense que c'est ça en fait. C'est la vision à droite, c'est la vision que elle a là. Et à gauche, c'est ce que nous, en tant que spectateurs, si on la regardait, c'est ce qu'on voit nous. C'est-à-dire, bah rien en fait. Mais du coup, on a les cheveux blancs dans l'autre version. C'est stylé, hein. Franchement, c'est stylé. Jack, don't worry about it. Regardez, ça fait trop bizarre. Genre, elle tient quelqu'un, mais il y a personne, en fait. C'est bien foutu. Opération. Là oui, il a un gros trou dans le crâne, donc j'ai même pas vu. I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff. Right? Jack. All right, Jack. Coucou Calico, tu vas bien? Coucou Nathan. Oui, j'ai coupé les cheveux. Cette opération du cerveau, peut-être. Oh, c'est trop chou. Ok, donc là, je pense que ça va être la grosse partie innovante du gameplay. Most people would give anything to have that opportunity. Le fait d'avoir deux versions comme ça du perso, c'est assez bien fait. C'est assez stylé, quoi. Didn't make things any easier. I could help a thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. Mon pichette. Bah, n'en pleurez pas.
I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. Divisé en deux réalités, voilà, c'est ça. C'est ce que elle voit quand il y a des fantômes à droite. En gros, à droite, c'était le monde des morts, et puis à gauche, le monde que nous, on connaît. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Tu me connais pas, mais je te connais. Ouais. If this is a joke. You need to listen. Bisous, Nathan. Okay. Bonne soirée. I'm hanging up. I know what you are. What? C'est un peu Ghost Whisperer. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Dans l'idée, ouais, c'est ça. On aide les fantômes à rejoindre l'autre côté. C'est louche. I don't even know you. It all starts with a dead girl. On commence par la mort d'une petite fille. C'est les visions qu'on a. Please, the light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Toujours pendant les scènes tristes où je m'imagine le perso tomber en partant. What? Oh là, c'est comme ça dans un film, il y a un pigeon! Incroyable! Un pigeon qui fait floum 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 floum. Ça va être mon nouveau jeu. Ah, je ne serai jamais coiffée du coup, à force de faire ça. Imagine un mec t'appelle en crise hystérique pour dire qu'il sait tout de toi que t'es sa dernière chance. Non mais ouais, c'est légèrement flippant quoi. Et il te raconte du coup, il est au courant d'une vision que tu as. Et il dit, je connais tout de toi, mais toi tu me connais pas. Quoi. Ouais, alors ça. Avec des vraies images et tout, un petit peu comme le début de Resident Evil, le dernier qu'on a fait. Je sais plus comment il s'appelle. Des gros bisous, Luna. Bonne nuit. Je suis le pigeon, sinon tu vas mourir de la main. Ah oui, c'est moi qui veux le tuer. Je comprenais pas pourquoi tu me disais du chien pigeon. Elle est très creepy l'intro quand même. Hein. Oh non! Ce point des pigeons dans la gueule! Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec les pigeons? Je veux savoir. Pigeon sur nos amis, non. Le vlou 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 sur mon écran 65 en super bien. Putain, l'ennemi du jeu, c'est le pigeon. Oh bordel. Après les corbeaux, les pigeons. Merde. And off I went. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Comme si j'aurais dû le connaître. Either way, he sure seemed to know me. Ils vont picorer le monde. Je me suis fait chier deux fois dessus dans ma vie. C'est vrai, ça m'est jamais arrivé, moi. Ça m'est jamais arrivé que ça soit sur ma tête, sur mes vêtements, etc. Ça m'est jamais arrivé. Ça va forcément un jour arriver, je me dis, mais pour le moment, ça m'est jamais arrivé. Coucou Nini, tu vas bien? Tout. Oh, pardon.
The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Dans un parc. Orodek Veroki Gwiniwa. Ok. Très bien. Et bah, moi, je m'en vais. Moi, je voulais regarder un peu les environs. C'est quoi, c'est une main, ça? Putain, c'est un arbre. Rien à voir. Ok, très bien. Tout va bien. Oh, ça vibre. C'est les pigeons. Anyone home? I guess not. Quelqu'un? Sa voix me dit quelque chose, elle. Carte postale du gardien. Niwa te passe bonjour. Pourquoi ça tourne tout seul? Ça suffit? Non, arrête. Coucou de Niwa, tu te plairais beaucoup ici, mon amour. Une salle commune géniale pour les enfants et des cours de dessin gratuits. Il y a plein de familles. Et l'hôtel est gigantesque. Je n'ai jamais rien vu de tel. Seulement, tu pouvais être avec moi ici. Tu me manques. Feu. Feu. Il y a un truc derrière. Mais je ne peux pas y aller. Ah, mais c'est un lit et tout. Merci, Nini. Ah, t'as la même coupe! Très bien! Là, est-ce qu'il y a un truc là? Ah, est-ce que ça va faire un peu comme Silent Hill? Genre, on va à un endroit. Alors, je crois que c'est. J'ai l'impression que c'est un endroit avec un hôtel, un parc et tout. Peut-être un truc touristique un peu. Il y a le monde des morts et le monde réel. Vous voyez? Est-ce qu'on va avoir une ambiance légèrement, hein, sans copier ni rien, mais légèrement silentilesque. Front gate was locked up tight. Ah! I needed to find another way in. Mais pas du tout, Rudy. N'importe quoi. Franchement, je lui souhaite jamais de tomber sur un cinglé pervers, car s'il s'invite dans sa maison, elle va accepter. Vous savez, elle a un truc dans sa voix. Horrible. Ah! Tu m'empêches de monter? Mais j'ai le pouvoir de la génuflexion! Pif. Coucou Wolf! Tu vas bien? Je suis passé. Enfoncez-vous dans la station. Niwa. Centre de vacances gouvernementales. Ah! Oh, je peux courir! Yes! Le massacre de Niwa. Niva, plutôt. Ouvrier psychopathe malédiction ancestrale. Super! Ouais, le jeu est très très beau. Je trouve aussi qu'il est vraiment joli. Les lumières et tous les décors sont vraiment top. J'adore le perso qui lit le scénario en marchant. Ah. Mais les pigeons n'envoient pas de balles. Ah. C'est pas un pigeon. Ouais, c'est un gros pigeon. C'est un pigeon adulte. Cours. Fuis. Attendez. Faut que je prends un coup. LB pour activer la vision. Hello. Allez, faut que je reste. Ok. Petite trace de pas. Suivons les petites traces de pas. Qu'est-ce que c'est bien cette vision? La forêt est vraiment jolie. Oui, c'est un nouveau jeu, Wolf, il est sorti aujourd'hui. Il s'appelle The Medium. Hey, ma vision ne dure pas. Au bout d'un moment, elle se relâche. Attends, ils vont où les petites traces de pas là? Je les vois plus. Ah, c'est là. Ah, ah, ah. What's this? Qu'est-ce que c'est? T plus K.
1968. Mmh. Mais dans les traces de passage là, non? Ah non. 50 ans encore et encore. Ce que les débuts, d'accord, d'accord. Par là, je suppose. Ouais. Ah ah ah. Un autre truc ici. Quelque chose vient de tomber. Mais si, il y a un truc là. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas le regarder. Il y a un petit air Resident Evil. Dans le visuel, peut-être. Peut-être un peu, ouais. Moi, je pensais aussi un peu à The Last of Us, avec les couleurs et tout, vu qu'on est assez en forêt, machin et tout. Je parle dans le visu, hein. On dirait un vieux fort. Est-ce qu'il est fort, ce fort? Nose un peu Renault dans la... Sur les lames de ton plancher. Pardon. Est-ce que je peux passer par là? Non. Pourquoi je suis des traces de pas? Warning. Attention, en raison de la découverte récente de dépouilles, les travaux de rénovation sont interrompus pour effectuer des fouilles archéologiques. Super! Des dépouilles. Mais des dépouilles de quoi? Que quoi y a-t-il? Tu vas bien? Si j'allais dans ce trou, tiens. Et si je suivais les pas d'enfant et que j'allais dans ce trou? Là où on a trouvé des dépouilles? Ah. Le monde des morts m'appelle. Ah! The split would come and go. T'es sûr, il était imprévisible. C'est trop stylé, du coup je bouge dans les deux mondes en même temps. C'est classe, c'est vraiment classe. C'est vraiment sympa. Je peux toujours utiliser la vision, là y a rien. C'est vraiment stylé. Manu Yaki, des bisous. Bon alors, il faut rétablir le courant. Si je saigne des yeux, je fais une tête au carré. Comment ça si tu saignes des... Quoi? Bah quoi? Je vérifie si on faisait pas chaud, on sait jamais. Non mais ça relague. Ça relague les enfants. Ça relague alors qu'on est d'accord que j'ai baissé la qualité et tout. Bah ouais. Tape-toi un PC pour voir. Je m'étais mis en intermédiaire tout à l'heure. Ah bah donc, c'est galère un peu, oui. C'est un petit peu la galère. Dead. Like everything else in this place. Je peux focus sur le monde spirituel. Ok. Focus sur le monde matériel. Ah mais y a rien. Ah attends, la vision. Il y a un truc là-bas. Et du coup... Ouais. Donc c'est le truc qui est en haut là. Yeah, not getting through here. Not with the power out. When you exist in two realities,
you're affected by either. I'd learned that the hard way. Mais du coup, elle veut rien faire avec le truc qui est en haut, parce que j'ai l'impression que ça vient du boîtier en haut. Non, elle veut pas. Bah, écoutez, ça a l'air d'aller mieux là. Je ne sais pas. Bizarre. Je peux pas retourner en arrière. Ah oui, donc il n'y a rien d'autre, donc c'est forcément ici que ça se passe. Là, je vois bien le truc là-bas, mais... Les traces de pas, il y a le boîtier là-bas. C'est que sur cette scène que c'est un peu chiant les lags, normalement tu pourras tout remettre en height si j'ai bien compris. Ok, bah écoute, on essaiera dès que j'aurai fini ça. Merci, le coin-coin. Oh, bah là, il n'y a rien de particulier que je puisse faire. Ah, d'accord. Tout va bien, j'avais pas eu le passage. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. Vétusté, vétusté. Years of history doesn't just happen. Vétusté, les moignons. Qu'est-ce que ça veut dire? But even in the deepest darkness, light can linger. Fragile. Waiting for someone. Ah là, il y a un truc pour mettre le courant dans le monde des morts, mais pas ici. Ah, c'est le truc du menu. Coucou la liste, tu vas bien? C'est un nouveau jeu, il s'appelle The Medium. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved. Regardez les têtes qui bougent. Creepy de ouf. Est-ce que du coup ça a remis le courant? Ouais, j'ai le bras qui s'illumine. À droite. Ça veut dire vieux et délabré. D'accord, merci. Je savais pas du tout. J'ai appris un nouveau mot. Qui est visé par le temps. Ok, ok. In any case, I figured I could use it. Energy's energy. RT pour charger une onde spirituelle. Relâchée pour la lancer. Ça a marché. Eh ben, cool. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Ah, ça m'a dit, ça m'a fait très mal aux yeux. Donc là, je peux peut-être essayer de repasser en high du coup. Je vais essayer. Si jamais ça bug, je le renlèverai. Élevé. Pour l'instant, je ne comprends pas tout. Bah, elle a des pouvoirs en fait de médium. So there I was. En gros, elle peut voir dans le monde. Voilà, elle peut voir dans les deux mondes, le monde des morts, je pense, et le monde. Et le monde normal. Attends, un petit jumpscare ou quelque chose quand même. Pas sûr qu'il y en ait dans ce jeu-là. Après, je me trompe peut-être. Hein. Mais je pense pas. Passe en ail. Ou en oignon. Mais Elle cherche quoi? En fait, elle a reçu donc un coup de fil... Elle vient de perdre son papa adoptif, en fait. Et elle a reçu un coup de fil d'un mec qui lui dit « Ouais, je sais que t'as eu des visions d'une gamine morte et tout, machin. Je peux t'expliquer des trucs sur ta vie, machin, blabla. Je te connais, mais tu ne me connais pas. Rejoins-moi là-bas. » Et elle a fait « Ok. » D'accord. Poup, poup, poup. Attends, on voit encore les traces de pas? Ouais, on voit encore les traces de pas. De toute façon, je pense qu'il n'y a qu'un seul chemin.
Ah, quoique, là il y en a deux, non? Ah, il y a l'air d'avoir un chemin par là, donc non, je peux me perdre en fait. Je suis mauvaise langue. Il n'y a pas les traces de pas non plus. Attends. Je pars pas au bon endroit? Ouais, mais... Ouais. Bon, je vais essayer par là. Hein. Je crois que je vais me paumer. Non, je vais quand même par là. Allons par là. Yes. Manu Coco, des gros bisous. N'y va. C'est quoi ce petit... Attention, est-ce que ça va laguer? Alors, on est total dans le monde des morts. Très bien. L'aura de ce lieu. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Elle est arrivée morte. Nous dit Jules. On y va pas, c'est ça. C'est quoi ça? Un téléphone? Forcez-vous dans la station. Entrez dans l'hôtel. Le téléphone sonne. Réponds. Ok, attends, quoi? Il faut que je... Quoi, du coup, j'ai pas suivi. Faut que j'oriente, je crois, le téléphone, mais j'ai pas suivi. Ah oui, le téléphone, donc du coup, avec le fil qui est coupé. Là où c'est le plus fort, c'est ça? Merde, j'ai pas suivi du coup! J'ai pas suivi à cause du. Du sens bête. Mais! Vous allez vous détendre, oui! LB pour la vision. Ouais, mais la vision, ça fait rien. Ah! D'accord. No, there's definitely something. Ah. Trust me, you made the right call sending me. Mais on l'entend de où là, yes. La voix? It's only a matter of time. Ça voit quelqu'un qui passait ici avant? Even the objects here had. Même les objets ici avaient des auras. When I touched them, I could sense their stories. Ah. Words, images, feelings left behind. Ah oui, allô, vous m'entendez? La meuf qui s'est pas laissée sur un téléphone, elle le tourne dans tous les sens et tout. Un beau téléphone. Comment on s'en sert? Hello? Anybody in there? Un kiki? Une grosse chaîne, hein? Locked. Obviously. There's gotta be another way. Il peut y avoir un autre moyen. Shit, the handle's missing. Je n'ai rien. Maybe I could replace it with something. Est-ce que je peux la remplacer par autre chose? Il faut que je trouve quelque chose qui fait office de poignée, du coup. La gamine.
Putain, après les pigeons, une gamine. C'est mieux ça. Ah, là, y'a rien. Pout, 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 pout. Petite foulée, petite foulée. Ah, musique d'ambiance. Ça nous rappelle, dis donc, des trucs. Il y a une petite flèche par là. Je pense qu'il faut que je suive les petites flèches. Regardez, il y en a une autre là. Le fameux, il y a quelqu'un. Bah voilà, ça. Ça, clairement. Il y a une flèche, mais qui dit là-bas et là-bas. Mais alors, c'est où? Ah, je fais mon jogging le matin. C'est ça. Ah, attends, il y avait un truc dans la voiture? Hey, old timer. Ah. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Qu'est-ce qu'une jolie paire de jantes fait ici? Doubling as a spare bedroom, apparently. Ah. Carte postale du gardien, mon amour. En ce bel été, la station est pleine à craquer. Tu sais ce que ça veut dire, plus de travail pour ton cher et tendre. Mais c'est du travail honnête. Monsieur Rickwix a dit qu'il veut me garder. Tu imagines? Pas question de me planter. Pas cette fois, c'est promis. Je vais mater le coffre. Oh là là! Chante demoiselle. Yeah, bien joué. Un tournevis. Mais si, regarde. Ça, ça peut faire office de poignée. Ow, shit. What the hell? C'est elle qui a fait pouit pouit. C'est une autre. Attends, ce que ça m'indiquait par là aussi. Ça a l'air très grand quand même. Merde. Bah non, je peux pas aller par là. Il y a le mécanophilie dans l'air. Ah ah ah. Broad Horizon. Nous aurons le programme Buran. Lancement prochain d'une nouvelle navette. La téléphonie mobile. L'avenir des télécommunications. Oui, parce que ça se passe pas du coup à l'heure d'aujourd'hui. Éradication mondiale de la variole, le plus grand procès médical de notre époque. Dans la pompe à air. Aïe, attends, ça y est, il est à fond. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il n'y a plus de flèches. Il n'y a peut-être plus rien. Je fouillasse, hein. Vous entendez? Une radio qui grésille. Je sais pas où je vais. Bon, j'ai l'impression que là je vais nulle part. Si, j'utilise un peu mon pouvoir de temps en temps, mais. On a une radio comme ça, il est entier. Ouais. Y a des petits. Des petites similitudes quand même. Le brouillard. La radio. Et la musique. Ça, c'est normal. Ok, on va utiliser le tournevis sur la poignée. Des clins d'yeux, oui. Des clins d'yeux. Hop! Tournevis! Eh oui! Yeah! So began the great dumpster heist of 1999. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien? Ah non, je vais récupérer la poubelle? Mais pour faire quoi? Mm-hmm.
monter en haut. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. C'est genre elle parle à la ville alors qu'elle est en train de pousser la poubelle. Il faut retenir le papillon. Quel papillon ? Avec la musique de His Face, ça passe crème. Yeah. Attention les bouts de verre, hein. Moi j'aurais donné un petit coup de pied dedans pour faire le ménage, mais bon. Elle a pas peur pour son fessier, dis donc. Fait beaucoup penser à The Last of Us 2. Moi aussi, hein, franchement, j'en parlais tout à l'heure. Les couleurs et tout, un peu, ouais. Sommes rentrés dans l'hôtel. Il y a des petites chaussures. Wouhou! Ah, attends, vision. Vision! Il va y avoir un écho encore dessus. Ah ouais! So it's true. Le massacre de Neva. The Neva massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Ok. Vous vouliez des cris, vous en avez eu. Tout ça dans une chaussure, exactement. Hello. Froid dans le dos. Hein. Anyone? Hello. Thomas? It's me. You there? Printemps, actualité, informations et conseils pratiques pour femmes actuelles. Le puits des ancêtres, un roman inédit signé Joanna. Courrier des réponses d'experts. Des astuces de couture pour des jupes. Tendance. Ok. Voyager avec classe, voyager dans le confort. Le canton, légende polonaise, le dragon du Wawel. Pourquoi mes dents tombent, page 7, c'est la rentrée, page 9, casse-tête et mots croisés, page 10, et d'autres surprises. Oh, regardez, ça a l'air trop bien, on peut faire une bouche spectacle. Oh là là, oh là là, une map, oh là là. Une porte là. C'est une fausse porte. Oui. Ah pardon. Roger de l'hôtel. Ok. Mais je le connais pas, on s'en fout. Les lumières qui clignotent là-bas. Oh, c'est joli ça. Vivienne. La star du Bolshoi Théâtre. Si on voit Pyramid Head, là, je crie au scandale, hein, quand même. Oups, pardon. J'ai lâché la manette. T'as pas la télékinésie? Regarde la lampe en mode « Je la veux !» Hello? Thomas? La manette fait des proutes. Tous les coups, il est mort, Thomas. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Qui sonne? Coucou Rose, tu vas bien? Coucou Judith! La fameuse balle. Ouais, il y a une ambiance quand même Silent Hill-esque. J'espère que ça va pas trop copier quand même.
Putain, ça à chaque fois, ça fait mal, hein. Sarah, c'est très très chiant. Bon. Quoi? Bah là, ça lag plus. Marianne. Mais le jeu est dégueulasse. Super. Je suis un peu blasée là. I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. On va attendre que la scène passe et puis je sais pas. I used to have a lot of friends here. Il manque un bras à la gamine, hein. Du coup. Something happened to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? Le problème est recensé. Mal au petit. Ouais. You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oui, elle a un masque comme papa, ouais. Un masque bien chelou. Coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? Ouais, c'est bizarre les deux écrans en même temps, faut s'y habituer. Hein. Mais c'est stylé quand même. People stop coming. C'est stylé. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Je sais me défendre. I was wondering, have you seen... Marianne? Yes. Would you play with... Putain, ça lag quand même, ou c'est moi? It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. Ah oui, ça lag quand même. Your help. Incroyable. Come on. Wait. I can't go.